Alors, je tenais à féliciter une personne de plus de la part du Seigneur Jésus. C'est toi, ma sœur Julie du Canada, et tu te reconnaîtras parce que tu fais un travail extraordinaire de la part du Seigneur, un travail par lequel Dieu me bénit, mais pas que moi. Hier encore, tu as écrit quelque chose qui bénissait un frère, et donc je tenais à te témoigner de ça, hein. Dieu bénisse un frère à travers toi. Mais si tu souhaites qu'on en parle, je te donnerai plus d'infos par écrit. Je t'avais déjà écrit pour te féliciter de la part du Seigneur Jésus. Donc je sais que le premier témoignage que j'ai enregistré la dernière fois te donnera peut-être un peu la sensation que je répète mes félicitations, mais au moins elles te démontrent leur véracité et leur sincérité. Et surtout, je trouve que, tu sais, chez nous en créole, on dit, j'ai un oncle américain qui était venu en vacances chez nous une fois, et il m'a dit, j'ai retenu une chose des Guadeloupéens que j'ai beaucoup aimé, c'est leur chaleur humaine. C'est que chez vous, on dit en créole, si, bon, dit, bon, et il m'a dit ça avec son petit accent américain. Je pourrais traduire ça en français parce que c'était du créole ce que tu viens d'entendre. Je pourrais traduire ça en français en disant quand quelque chose est bon, il faut reconnaître que c'est bon et il ne faut pas hésiter à le dire. De manière générale, même j'invite tout le monde quand on a un compliment à faire ou quand on doit prendre le temps de reconnaître que quelque chose de bon a été dit ou fait, il faut le faire. Il ne faut jamais rater une occasion de faire un compliment. Je parle de compliment sincère et pas de flatterie. De faire un compliment et de reconnaître que quelque chose est bon ou que quelque chose est positif, que quelque chose de positif a été fait, de positif, de bon, de beau ou en tout cas qu'il y a eu une avancée. Parce que je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on avance et puis aussi qu'on peut encourager les autres à persévérer pour l'excellent travail qu'ils fournissent, pour la qualité de leur travail, comme je viens de le faire tout à l'heure pour d'autres serviteurs de Dieu. Mais je le fais aussi pour Julie parce que Julie fait un travail excellent de la part du Seigneur et qui nous bénit. Nous sommes nombreux à être bénis par son travail et je tiens à lui dire de ne jamais décrocher, de ne jamais abandonner. Parce que même si je sais que quand nous travaillons pour le Seigneur, nous n'avons pas conscience de vraiment ce que Dieu est en train de faire en nous. Et il nous faut donc avoir des personnes pour revenir prendre le temps de nous témoigner que Dieu nous a bénis à travers, Dieu les a bénis à travers nous. Peut-être d'autres ne ressentent pas le besoin de le faire. Moi, en tout cas, je ressens, je me dis non, c'est trop beau, c'est trop extraordinaire ce que Dieu fait, trop miraculeux ce que Dieu fait à travers toutes ces personnes. S'il n'y a personne pour le leur dire, il pourrait arriver que ces personnes se retrouvent à être découragées par le malin dans le travail qu'elles font pour le Seigneur. Et nous ne voulons surtout pas voir ça arriver, nous ne leur souhaitons pas, bien sûr. Et le fait que simplement je le dise ne signifie pas que ça va leur arriver. Comprenez bien que je vous souhaite les meilleures choses. Donc j'espère vraiment que ça ne vous arrivera jamais. Ne vous détournez jamais du Seigneur et ne vous laissez point décourager par l'ennemi. Et je pense à Galates verset 9 qui dit ne nous lassons donc point de faire le bien, car si nous ne nous relâchons pas, donc ne vous relâchez pas en nom puissant du Seigneur Jésus, si nous ne nous relâchons pas, nous recevons une grande récompense, bien sûr, de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient. Donc ma sœur Julie, chérie, chérie, persévère. Persévère dans le travail magnifique que tu fais de la part du Seigneur, car Dieu fait une œuvre extraordinaire en toi. Et nous sommes de toute manière plusieurs à le reconnaître et à te l'avoir dit sur Facebook. Puisque la dernière fois que je suis allée sur ta page, j'ai vu un petit message qui disait, je suppose que ce sont peut-être des frères et sœurs du Canada ou d'ailleurs qui te félicitaient là encore. Et ce petit message disait, Julie, on t'aime. Et j'ai compris, j'espère que tu l'auras compris aussi, Julie, que c'est un message non seulement de ces personnes et qui s'étend jusqu'à la Guadeloupe, puisque moi je suis ta sœur en Christ et que tu as déjà compris que je t'aime beaucoup, de l'amour du Seigneur, de l'amour agapé du Seigneur. Et toute ta gloire lui revient. Et en tout cas, j'hésite pas à te le dire, puisque tu vois bien que nous ne nous sommes toujours pas rencontrés, mais nous nous aimons déjà parce que nous savons que c'est Dieu qui nous a mis en contact, que nous sommes des frères et sœurs en Christ, que nous sommes des sœurs en Christ, et surtout que nous servons le même Dieu et qu'il a rempli nos cœurs de son amour. Et cet amour-là, c'est le seul amour véritable qui soit, le plus merveilleux amour qui soit, l'amour de Dieu. Et toute la gloire lui revient. Donc, c'est pour ça que je ne me gêne pas pour t'appeler ma sœur en Christ, chérie, chérie.
Et tu l'auras compris, il n'y a vraiment rien de négatif à y voir. De toute manière, quand tu me parles, toi aussi, tu m'appelles ma sœur chérie. Nous sommes des sœurs chérie, chérie, en Christ, et nous avons déjà très bien compris que nous provenons du même royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et ce que je voulais te dire, je suppose spirituel comme tu l'es, que tu l'auras compris, mais dans le cas où ce n'était pas le cas, ce message de Julie, on t'aime, c'était un message qui te venait tout droit des cieux. Bien sûr, qui venait aussi tout droit du cœur de ces personnes à travers qui Dieu te manifestait son amour. Mais moi, je trouve très beau qu'on reçoive comme ça ces messages venus tout droit des cieux. Et quand ça arrive, on ne voit pas toujours, c'est pour ça que je le précise. Mais c'est comme si on t'avait dit, Julie, on t'aime dans les cieux. Non seulement les personnes qui te l'ont dit qui sont sur terre, mais aussi ceux qui sont dans les cieux. Et c'est un très très beau message et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Un très très beau message que j'ai vu sur ton mur et qui m'a beaucoup réchauffé le cœur et fait plaisir pour toi. Et je tenais à te dire encore cette fois-ci comment Dieu continue à agir puissamment à travers toi dans tous les messages qu'il te fait nous transmettre de sa part et tout ce travail magnifique que tu fais vraiment pour le Seigneur, tous ces beaux panneaux que tu crées, toutes ces magnifiques photos que tu prends le temps d'aller chercher. Je te félicite encore pour l'excellence de ton travail et te témoigne une fois de plus que cette semaine, j'ai vu Dieu bénir un frère à travers toi, mais moi aussi, puisque je témoignais tout à l'heure qu'étant malade, j'ai eu à consulter plusieurs spécialistes et chaque fois que je sortais de du cabinet de chacun d'entre eux, là où on aurait pu croire que j'en sortirais avec de mauvaises nouvelles, en fait je sortais pardon, je ressortais des cabinets chaque fois avec des bonnes nouvelles puisque chaque spécialiste que j'ai pu voir me disait ben non, on croyait que c'était telle chose mais c'est pas ça. Voilà, on pensait que par exemple l'un d'entre eux c'était le cardiologue, on pensait que c'était cardiaque, mais non, c'est pas cardiaque. Donc, vous n'avez aucun problème cardiaque, vous avez une très bonne santé cardiaque. On pensait que c'était les veines, non, c'est pas ça, vous avez une très bonne santé veineuse. Et chaque fois que je sortais des cabinets, je disais, eh ben gloire à Dieu qui est celui qui nous apprend toutes les bonnes nouvelles qui existent. Hein, et un passage nous le rappelle bien, c'est 1 Jean 1 verset 5, car la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc je me disais, merci Seigneur, merci éternel mon Dieu, merci Seigneur Jésus. Voilà, comme à ton habitude, avec toi, on n'apprend que des bonnes nouvelles. Et à peine je m'étais dit ça, je vais faire un tour sur Facebook et je tombe sur un panneau que Dieu t'a mis à cœur de rédiger, donc un message venu tout droit de Dieu et donc des cieux, qui dit là où c'était clair, hein, le panneau que tu as fait, je l'ai même archivé tellement il m'a touché. Il disait, voilà l'alphabet des médecins. Et on voit un médecin en dessous qui fait la grimace. Et à côté, tu disais, tu as mis la croix de Jésus en rouge et c'était écrit, alors que Jésus, lui, il ne nous apprend que de bonnes nouvelles. Je dis vraiment gloire à Jésus qui m'a démontré par ton biais aussi. C'était un signe de confirmation de la part de Dieu pour moi, mais Jésus me démontrait aussi par là que j'avais raison de penser qu'il ne me donnait que de bonnes nouvelles et que ces bonnes nouvelles étaient véridique, véritable et vrai. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc je tenais à te témoigner. Tu vois, je t'ai témoigné la semaine dernière pour les panneaux parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu un premier que tu as fait avec une personne qui était courbée et qui était dans une position qui aurait pu faire penser qu'elle avait mal au dos. Comme j'ai dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, on dirait que Dieu est en train de m'annoncer que je vais avoir mal au dos. Et ça a été le cas, comme je l'ai dit, puisque j'ai eu le dos bloqué. Mais tu en as fait un deuxième. Avec quelqu'un qui était dans une posture un peu du même type et c'était toujours encore un panneau que Dieu a utilisé pour me bénir et me faire comprendre la situation que je traversais. Et là, au sortir des cabinets des médecins, quand on m'a annoncé cette fois-ci de bonnes nouvelles, eh bien, le Seigneur t'a utilisé pour faire ce panneau qui parlait de bonnes nouvelles. Donc je tenais vraiment à remercier l'Éternel mon Dieu et à lui rendre grâce et gloire, vraiment toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et comme je le dis, Dieu m'a appris à le remercier, lui bien sûr avant tout, mais aussi à remercier les personnes qui mettent leurs mains, hommes ou femmes, dans ses mains de manière à accomplir le travail qu'il attend d'eux et à les en féliciter quand ce travail est très beau, ce que je fais de la part du Seigneur Jésus. Vraiment, je te félicite, Julie, et t'encourage à persévérer, à continuer. Encore ce très beau travail que tu fais au nom du Seigneur Jésus.
Et vraiment, je le dis encore, que Dieu te bénisse abondamment, puissamment, richement. Et merci pour encore une fois la qualité extraordinaire de ce travail. Continue, c'est vraiment magnifique. Je te fais un gros bisou, Julie. Et puis, eh ben, j'espère bien que jour tu viendras chez nous. Toi qui parles tout le temps de comment les températures là-bas sont des fois dures à vivre et je ne peux que te comprendre. Eh bien, j'espère, si telle est la volonté du Seigneur, que nous aurons l'occasion de te faire découvrir le petit paradis sur lequel il nous a permis, il nous a fait l'honneur et la grâce de vivre. Et toute la gloire lui revient parce qu'il a vraiment créé en la Guadeloupe une île magnifique et toute la gloire lui revient. Cependant, j'ai eu l'occasion de te dire de ne pas te décourager parce que j'ai dit ça, parce que je suis guadeloupéenne, mais j'aime aussi les aurores borées. Non, je sais plus si on dit, je sais pas si on dit boréal ou comment ils se disent au pluriel, mais en tout cas, j'aime l'aurore boréale et je trouve ça très beau et ça me donne aussi envie de venir découvrir ça chez vous. Ceci dit, je supporte assez mal les températures de chez vous, tout comme toi. C'est pour ça que je crois que pour le moment, je vais continuer à rester sur mon île. Mais en tout cas, je tenais à vraiment te féliciter, te dire merci pour tout. Je te fais un gros bisou de la part du Seigneur Jésus et que le Seigneur continue à te bénir, à t'inspirer de manière aussi magnifique parce que vraiment, nous contemplons sa gloire à travers toi et le travail que tu fournis de sa part. Que Dieu te garde et te bénisse. À très bientôt. Gros bisous, ma sœur, en que chérie, chérie. Je t'aime et je t'aime éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi. Et merci encore pour tout, Papa d'amour. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Alors, la semaine dernière, vous avez vu que j'ai fait. De la part du Seigneur des documents ou enregistrements où je vous invitais à ne surtout pas vous laisser culpabiliser et condamner par le diable pour des méfaits que lui seul les commet et donc dont lui seul est donc responsable, blâmable et condamnable. Il n'a certainement pas à condamner les enfants de Dieu pour cela. Et même que je l'ai écrit la dernière fois, je viens d'y penser et je le lis. Et ce que je vais vous dire va un peu dans ce sens, mais il me semblait important d'apporter les précisions que je vais faire dès que j'aurai fini de lire dans un petit moment. Voilà, c'était un petit message que le Seigneur m'a inspiré qui dit, le diable n'a aucune espèce de droit, il n'a aucun droit sur nous, ses enfants, et nous ne lui devons plus rien, nous ne lui devons rien. Donc, il n'a aucune espèce de droit sur nous, aucun droit sur nos vies, aucun droit de regard sur ce qui s'y passe, et aucun droit de regard non plus sur ce qui se passe chez Dieu. Et donc, encore moins sur la vie de ses enfants, et donc, il n'a non plus, en aucun cas, à nous dire ce que nous devons faire dans nos vies à nous donner ni d'ordre, ni de commandement, ni quoi que ce soit, et à nous dire ce que nous devons faire de nos vies, comment le faire et comment gérer nos vies. Nous n'avons aucun ordre à recevoir de lui. Les seuls ordres que nous avons à recevoir sont ceux que nous recevons de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et c'est en soi déjà une invitation à toujours dire oui à Dieu et à lui obéir, puisque nous savons que l'obéissance à Dieu est l'un des secrets du bonheur, du véritable bonheur. Et Matthieu 6, verset, j'ai envie de dire, 24 à 34. C'est un passage qui nous rappelle bien cette réalité-là, dont en particulier le verset 33. C'est surtout au verset 33 que je faisais allusion. Mais le passage allant du verset 24 à 34 est, à mes yeux, un passage tellement important que j'ai pris le temps de citer ce passage de manière un peu plus large. Vous le comprendrez et je vous invite donc à, dès que vous le pourrez, prendre le temps de le lire dans vos Bibles. Et donc,
Ce que j'ai souhaité vous dire aujourd'hui, vous comprendrez donc bien, en toute bonne intelligence, j'espère, le sens de mon propos, qui vise juste à vous dire que le diable s'amuse des fois à essayer de faire culpabiliser les enfants de Dieu, certainement bien d'autres personnes, et à s'amuser à leur donner des ordres, de manière à les amener à contrecarrer la volonté de Dieu, parce que le diable est toujours en train de chercher à contrecarrer la volonté de Dieu et à amener les enfants de Dieu à faire précisément l'inverse de ce qu'il sait très bien que Dieu attend d'eux. Et donc, le but de mon. De ces précisions que je rajoute et de vous dire, mais ne surtout pas céder à la pression que le diable met sur vous, puisqu'il a la manie de mettre la pression sur les gens, et de ne surtout pas lui obéir, et de continuer à obéir à Dieu, et de ne surtout pas l'écouter, mais de faire ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu vous demande, et puis aussi de ne jamais perdre de vue que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien et pour notre plus grand bien, puisque Dieu veut ce qu'il y a dans son grand amour pour nous. Dieu est un Père. C'est notre Père Céleste. Quand nous prions, nous disons le Notre Père, justement. Hein, le passage de Matthieu 6 décrit bien donc cette réalité-là, de Matthieu 6, où est écrit le Notre Père. Mais soyons très clairs, eh bien si nous faisons le Notre Père, c'est que nous savons très bien que Dieu est un Père. Et notre Père Céleste, et je peux témoigner qu'il est un Père aimant, qui nous aime au-delà de tout ce que nous imaginons. Et l'un des passages qui nous le confirme bien, c'est Jérémie 31, verset 3, où il est écrit: De loin, l'Éternel se montre à moi, et il me dit: Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté, et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que nous savons que ses bontés et ses compassions ne se sont point épuisées, qu'elles ne se sont pas épuisées, mais que par bonheur pour nous, elles se renouvellent chaque matin, comme il est écrit en Lamentation, verset 23. Et là encore, je vous invite à lire Lamentation 3, peut-être qu'à partir du verset 22, environ jusqu'au verset 25 à 26. Et bien sûr, j'ai dit ce passage tel qu'il est écrit sur mon cœur, mais n'hésitez pas à aller regarder dans vos Bibles comme il est actuellement rédigé. Et ce que j'ai voulu vous dire en substance et qu'il s'agit de retenir, c'est que quand Dieu nous parle et qu'il agit dans nos vies, c'est pour notre bien et notre plus grand bien, puisqu'il veut, en tant que Père bienveillant et aimant, ce qu'il y a de meilleur pour nous tous et pour nos vies. Et il veut aussi nous donner ce qu'il y a de meilleur et nous permettre d'expérimenter et de vivre vraiment le meilleur. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et alors que le diable, lui, cherche toujours à nous faire vivre le pire, à nous culpabiliser et à nous entraîner dans la souffrance. Donc, quand Dieu agit et nous parle, ça génère en nous du bien-être et du mieux-être. Alors que le diable cherche toujours à générer, et c'est ce qu'il fait quand il nous parle, du mal-être. Donc, soyez vigilants avec ça et ne laissez pas le diable ni vous culpabiliser, ni vous amener dans des pensées noires, ni vous amener à la dépression, au chagrin, à la tristesse ou à quoi que ce soit d'autre de néfaste, parce que ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est lui qui amène les gens dans la souffrance, dans la maladie et dans tout ce qu'il y a de négatif et de néfaste, dans le stress et tout le reste, alors que Jésus-Christ, lui, est le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et qu'il est celui aussi qui remplit nos cœurs de sa paix, la paix du Christ, et qui nous amène sa lumière, puisqu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, alors que le diable, lui, son royaume, c'est le royaume des ténèbres, et donc de l'obscurité la plus totale et la pire. Nous savons que, alors que Dieu, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, il faut que les choses soient claires. Et nous connaissons aussi ce passage de Jacques 1, je crois. En tout cas, c'est en Jacques qui dit que toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni ombre ni variation. Je le dis à ma manière, voyez comme il est actuellement écrit là encore ce passage. Mais en tout cas, nous voyons bien le contraste entre l'ombre et la lumière, les ténèbres et la lumière dans le bien et le mal, et bien sûr Dieu et l'ennemi, le diable, et nous comprenons bien l'opposition entre ces deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et nous croyons aussi profondément, puisque nous en faisons tous les jours l'expérience dans nos vies, à la suprématie déjà de Dieu sur le diable, puisque Dieu seul est tout-puissant, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, et qu'il est l'éternel vainqueur sur le diable.
Il l'a démontré en faisant Jésus-Christ ressuscité après le troisième jour après qu'il soit passé sur la croix, qu'il ait été crucifié sur la croix. Eh bien, gloire à Dieu qui a démontré que dans sa toute puissance, il a fait en sorte que les portes de la mort ne prévalent pas sur Jésus-Christ. Le diable aurait voulu que Jésus-Christ reste au séjour des morts. Eh bien, Dieu étant tout puissant, l'y a enlevé. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, le monde entier, l'univers entier a pu constater que Dieu, la toute-puissance de Dieu, puisque si Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ, c'est précisément que il est tout-puissant. Et un autre passage vient corroborer tout ce que je viens de dire, c'est Jean 3, versets 16 à 17, qui dit: car Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes et l'être humain, l'humanité tout entière, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et là encore, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, c'est vous dire comment Dieu nous a aimés au point de sacrifier son Fils unique pour nous. C'est vous dire son grand amour envers nous. Et bien sûr, bon, depuis, Jésus nous fait savoir régulièrement qu'il va très bien, qu'il ne souffre plus, qu'il est dans le bonheur le plus total, puisqu'être dans la demeure de Dieu, dans le paradis, ou encore le royaume des cieux, si vous préférez le royaume de Dieu, c'est être dans le bonheur le plus complet, le seul endroit où il n'existe plus aucun souci. Et je rends grâce et gloire à Dieu, ce qui me donne aussi l'occasion de vous rappeler que dès que vous traversez des phases éprouvantes et que vous avez des soucis ou que vous traversez toute situation problématique, de ne pas hésiter de tout remettre entre les mains du Seigneur Jésus, ainsi que tout fardeau qui pèse sur vos épaules, et de lui dire: Seigneur, je remets l'entièreté de ma situation entre tes mains, tous mes problèmes, mes interrogations et tout fardeau qui pèse sur mes épaules. Merci de m'en délivrer, Seigneur Jésus, et d'y apporter toutes tes réponses et toutes tes solutions. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, puisque nous savons que Jésus-Christ a la solution à chacun des problèmes que nous pouvons traverser et qui nous délivre toujours de toutes les épreuves que nous pouvons traverser, puisque s'il est venu vivre la condition humaine sur terre, c'était précisément pour expérimenter, et il l'a fait, chaque épreuve que peut avoir rencontré un être humain quand il vit sur terre. Et si Jésus y a survécu et a ressuscité, c'est précisément parce qu'il a la réponse à tous les problèmes, tout type de problèmes que nous pouvons avoir à vivre et expérimenter, puisqu'il est déjà passé par là avant nous, et qu'il s'est laissé détruire en mourant sur la croix par les épreuves, précisément pour que les épreuves aujourd'hui ne nous détruisent pas dans nos vies, pour qu'au moment où nous aurions à les vivre, elles ne puissent pas nous détruire. Ça fait mal, on est souvent en souffrance, mais jamais Dieu ne permettra que les épreuves ne nous détruisent, puisqu'il a ressuscité Jésus-Christ précisément pour que ces épreuves-là ne nous détruisent pas, mais que Jésus y apporte ses solutions. Et Jésus a donc la solution à toute épreuve, toute situation problématique, tout problème, tout souci, tout ce qu'on peut avoir à vivre de négatif ou de néfaste sur cette terre. Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et je le dis là encore, toute la gloire lui en revient, nous en délivre toujours, puisque Romains 8, verset 37 le démontre bien: mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Donc, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser, Jésus nous conduit toujours dans la victoire et nous en fait toujours triompher et sortir grandi. Et je lui rends grâce et gloire. C'est bien le sens de ce passage que je viens de citer. Et un autre, là encore, entre en corrélation avec mon propos. C'est Jean 8, verset 36 qui dit: si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous serez réellement libre. Et donc, quand Jésus-Christ, le Fils, nous affranchit, ça veut dire qu'il nous libère et donc qu'il nous délivre. Et donc, qu'avec lui, nous sommes et nous serons toujours réellement libres. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, merci encore, Seigneur, pour toute ton œuvre dans ta vie. Parce que tu es celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies et qui nous délivre toujours de toute épreuve, de tout problème, de toute souffrance, du diable, de tous ses méfaits et œuvres destructrices, et surtout de toute forme d'enfer. Et toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu. Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur pour ton grand amour envers nous. Nous aussi nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi éternellement, Dieu. Merci Seigneur, nous t'aimons. Oui, je tiens à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu qui, dans ce contexte
où j'étais malade, et je précise, hein, si je n'avais pas déjà précisé, que c'est un peu pourquoi vous ne m'avez pas trop vu être présente cette semaine sur le net, et sur Facebook en particulier. Mon état de santé ne me le permettait vraiment pas, comme il ne me permettait pas de vaquer à certaines occupations ou encore d'aller à certains rendez-vous, que j'ai d'ailleurs dû décommander bien malgré moi, puisque j'espérais pouvoir y aller, mais mon état de santé ne le permettait vraiment pas. Dû à disposer une fois de plus tous les cœurs et les aidants pour me venir en aide, et je tenais à lui rendre grâce et gloire, tout comme la première fois où j'ai dû aller aux urgences, dû à disposer des cœurs et des aidants. Il a fait sortir des personnes de très loin pour m'entourer, m'accompagner, notamment aux urgences et à la pharmacie pour prendre les médicaments ensuite et me ramener ensuite chez moi. Et bien cette fois-ci, il a disposé le cœur d'un des frères qui m'accompagnait déjà depuis la première fois aux urgences et qui est venu cette fois-ci aussi. Que le Seigneur le bénisse, lui, ainsi que une autre personne que Dieu m'a permis de rencontrer, que je ne connaissais même pas. Nous, en discutant, nous avons découvert que nous étions parentes et nous l'ignorons. Alors, on en a été tellement contente qu'on avait hâte de se rencontrer. Et bien, dès le lendemain, Dieu l'a permis et toute la gloire lui revient. Et surtout, il lui a mis à cœur, quand elle a vu mon état de santé, de sortir de son travail pour pouvoir m'amener d'urgence chez le cardiologue. Et donc, Dieu m'a grandement béni à travers tout ça. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Bien sûr, le cardiologue qui, comme je le disais tout à l'heure, on avait peur que le problème provienne du cœur. Comme je l'ai dit, bon, jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas réussi à identifier ce que j'ai vraiment, mais au moins, le Seigneur Jésus m'a apporté cette bonne nouvelle à travers lui, que mon cœur est en très bonne santé et qu'il n'y a donc rien à craindre de ce côté-là. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour l'œuvre extraordinaire que tu mènes dans nos vies, à chacun, nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur.